Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kinou et il s'agit de l'épisode numéro 2 de Condemned Criminal Origins. Bah écoutez, c'est parti, on continue, on va essayer de se rappeler de ce qui s'est passé. Un petit résumé, dites donc. Rapport numéro 802, les oiseaux seraient-ils tués par une influence extérieure? Résumé, les oiseaux sont attirés vers certains endroits par une perturbation d'origine inconnue qui provoque l'inclusion de leur cerveau. On ignore si cela affecte les humains et autres formes de vie, même s'il y a une corrélation directe entre les quartiers au taux de criminalité en hausse et les endroits où les oiseaux viennent mourir. Ok. Ah oui, on venait juste d'arriver là, ça je m'en rappelle par contre. Je pense surtout que je suis gentil mes lentilles, et puis bon, une petite pipe avant d'aller dormir. Ah bah allez hop. Mon dieu. Ok. Alors, si tout va bien. Nickel. Ok, alors. Comment est-ce que... Alors, objectif fouiller le grand magasin pour trouver les informations liées au suspect. Alors, si je me souviens bien, est-ce qu'on a genre des... Ça, c'est la lampe. On va regarder les contrôles en speed. Tac, clavier... Alors, attendez. Torche. Préparer l'outil T. Vérification munitions R. Mode corps à corps tab. Action E. Coup de pied avec A. On sait que la est cassée, voilà, on s'en fout, ok. Ah ya! Ah ouais, je me rappelle, c'était ridicule ça. Ok, T on n'a pas, on peut pas sauter, on peut pas s'accroupir, on peut courir, ok. Ah bon, on a l'endurance en haut à gauche et la vie tout en haut à gauche, l'endurance en bas. Ok, plouf. Donc alors, bah, je me souviens plus vraiment de... On n'a pas un journal, une connerie comme ça. Si je me souviens bien, nous sommes un gars qui se fait chourer son arme de service pendant qu'il enquête sur un tueur en série. Il se fait chourer son arme de service et ses deux collègues se font buter par ce tueur en série. Et du coup, les flics le recherchent et bah, lui, il essaie de prouver son innocence en cherchant le tueur en série. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Pour ceux qui n'auraient pas la ref, c'est une chanson de Patrick Sébastien. Ah, non, je n'avais pas la référence. Tu fais bien de le dire, ok. Je pensais que c'était une blague sur le coup, et puis je fais ok, ok. Et non, Patrick Sébastien, toujours aussi fin. Ouais, on est passé tout juste Twista, effectivement. Alors oui, pour ceux qui regardent l'Ardif, j'ai essayé de mettre un patch qui permet d'avoir tous les sons du jeu, parce qu'il y a des sons qui sont pas là. Vous avez pu le voir dans l'épisode avec le train. Il y a certains moments où il n'y a pas de son de train. C'était bizarre. Je me rappelle, j'avais fait la réflexion. Malheureusement, en mettant le patch, eh ben, ça passe le jeu en anglais. Donc, on ne mettra pas le patch. Voilà. Et a failli avoir un petit drame. Alors, si je me rappelle bien, on a des armes et tout. Mais là, voilà, on n'a pas d'armes en ce moment. Donc, on peut prendre ce truc-là. Ou alors un porte-manteau qui fait de meilleurs dégâts et une meilleure allonge. Mais on a rapide. C'est ça le porte-manteau, d'accord. On peut bloquer et on peut taper. Ok. Ramasser bras. Et le bras est mieux. Non, c'est pareil. C'est... Ok, on va prendre le truc lourd. J'ai honte de moi. J'ai honte pour ceux qui aiment. Je perfore l'humanité. Pire moment télé. Bref, sujet. Ce vandalisme, t'as vu, hein. T'as vu, je casse. Oh là là! J'arrivais même à casser les têtes sans même les taper, en fait. Bref. Allez, on avance. Et on fouille le grand magasin pour trouver des choses suspectes. Pour moi, il y a des suspects, là. Ah, puis c'est vrai qu'il y a des mecs qui me foncent dessus en criant des trucs débiles. Pourquoi? Parce que ce sont des drogués. Voilà. En fait, ce jeu est bizarre, je trouve. Ce jeu est vraiment très bizarre. Il n'est pas nul. Il est juste étrange. Et dire qu'il y a une suite. Il y a un mec qui chuchotait. Il y a quoi là? Un autre bâton boulonné. Coucou Tani. Objet des Kinoureilles. Ouais, c'est le Kinours qui pousse, Tani. Alors je le rappelle, hein, si vous voulez voir le Kinours, ce sera demain de 15h à 19h. Et si vous ne comprenez pas de quoi je parle, tapez point d'exclamation 2001. Vous comprendrez.
Ça fait longtemps que c'est prévu. Mon Dieu. Là, je crois que c'était des gens, en fait. Okay. J'ai entendu un truc, quelqu'un courir. Hein. C'est en bas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, putain. Il y avait... Hein? J'ai eu un mouvement de panique d'un coup. En plus, c'est Baron. C'est vrai que c'était Baron qui avait proposé. Oh, leave. C'est vrai que c'est Baron qui avait proposé. C'est dommage s'il est pas là. J'espère qu'il sera là. Ok, bon, on va par là, là. C'est quand même bizarre. Oh, salut. Ah oui, c'est vrai qu'il feinte, c'est con. Hein. Je suis trop nul à la parade. Dégage. Stop. T'arrêtes. Ça suffit. Dégage. Espèce de drogué, va. Ok. Je sais même plus comment on a des... Ah oui, non, les soins, il faut les prendre physiquement. On n'a pas de popo sur nous, en fait. Bon, va falloir que je réapprenne à parer un petit peu. Cette violence, t'as vu, hein? On s'était fait la même réflexion la dernière fois, Twist. Hein. Le jeu est violent. Même si c'est pas ultra sanglant et tout, c'est vraiment... Il sait pas ouvrir les armoires, il sait que les casser, en fait. Voilà, et en fait, même si l'histoire du jeu, j'aime bien. Le gameplay me... Déplacer objet. Le gameplay me plaît moins. Mais bon, après 2006, faut remettre les choses dans le contexte. Ça crape à hutte, là. Et merci Twista pour la commande. Donc voilà, pour ceux qui ne comprenaient, qui comprendraient pas. Demain, donc demain on joue à Argonus. Hein. Normalement on devrait le finir. Je crois qu'il reste pas forcément ultra longtemps. Ultra long à faire. Eh salut. Tu fais le tour. Ouais. Voilà, on jouera à Argonus et puis et on le finira normalement. Et après, on fera potentiellement découverte. Il y a Thioma qui avait proposé, qui a dépensé 50 000 candinous pour faire la découverte de Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Donc j'ai installé. Voilà. Puis sinon, j'ai d'autres découvertes à faire. Il y a de la violence un peu gratuite aussi, voir mon clip Kepao de la semaine passée. Oui, c'est vrai. Type est couché par terre et bouge pas et tu peux le jeter dedans et boum il s'envole. Bon après ouais c'est rigolo aussi le truc. C'est pas le seul jeu qui propose ce genre de choses. C'est juste en fait c'est juste les impacts et tout ça c'est vachement c'est vlant quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais oui. Oh là là. Oh, il y avait quelqu'un dedans. Oh, je suis désolé. Oh, il y avait quelqu'un dedans. Oh là là. Oh ben, merde. Il y a quelqu'un là-dedans aussi, ouais. Mais en fait, si ça se trouve, il m'aurait attaqué, non? Vas-y, je m'absente le temps d'une game et voilà l'update graphique que le jeu a pris. oui, t'as vu, hein. Oh là. Ouais, donc c'est des vilains, en fait. Je devrais les buter avant. Ah ouais, puis ils prennent des... Dégage. Non, dégage, j'ai dit. S'il te plaît, dégage. Arrête. Tu arrêtes. Merde, alors. Il est gentil et tout. Je vais le taper, l'autre, là, avant qu'il se lève.
faut faire le tour du pilier. Se tente de bouger 10 fois là. Hein? The fuck? J'aime bien son rôle. Je suis un mannequin. Ah, je ne bouge pas. Ah, je suis un mannequin. C'est débile. Ah, ah, ils sont bien drogués, hein. Le self-control du boss, ouais, t'as vu, t'as aidé, hein. Bien, 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 bien. Oh, un fusil. Avec combien? Avec 2 balles. Eh ben, ça fait le café. Les combats et les mecs vénères donnent l'impression de violence. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est plutôt bien rendu pour le coup. Les bruitages aussi jouent sans doute. Ouais, on dirait un joueur de tennis qui joue son meilleur smash à chaque coup. Oh, oh, j'ai dit, arrête, Denis. On n'attaque pas les gens comme ça. Tu me tapes, je te tape, Denis. Oh, merde, à côté. Excuse-moi. Je voulais pas te louper. J'ai paniqué. C'est ton souffle rock qui m'a fait paniquer. Ok, faut s'assurer qu'ils soient tous des mannequins. Voilà. Ça, on est sûr. On est sûr. Ok, l'outil de détection. Ah oui, c'est vrai qu'on est en contact avec la nénette des... du laboratoire de la police, alors qu'on est recherché par la police, vu qu'elle a pas reçu d'indication qu'il fallait plus nous aider, et ben elle a décidé de nous aider encore. Voilà, c'est gentil, hein, c'est gentil. Après, on a pas l'impression que ça soit spécialement notre pote, mais apparemment c'est notre pote. Hop, là, une empreinte de main. This matches what we got from the crime scene. I processed all the prints. And Thomas, the print you got from the tape recorder at the metro station isn't on this hand. I don't get it. What does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. Il y a 2 méchants. À toutes les gym là-haut. T'as entendu toi aussi, Roger? Je dois sortir le bazooka, Roger. Du coup, c'est un malin. Lol. Regarde la base. Certains sont sur des plaques, d'autres pas. Tu crois que ça joue? Plaque. Plaque, plaque. Plaque. Ah, c'est peut-être qu'il faudra regarder ça. Ou... Huh. Un mètre. Alors, on va utiliser les détections. Encore. Ah ah! Oh. Give me a sec. Blood droplet size and dispersal pattern indicate victim sustained a heavy blow. Height of blood on the wall indicates it's possibly a head wound. Putain, j'ai cru qu'elle allait m'attaquer alors que j'étais avec le téléphone. Mon dieu. J'ai rien compris. T'as rien compris? Bah en fait, on a trouvé une empreinte de main sur un enregistrement qui a été fait par le tueur, le meurtrier en série. Je crois, hein, si je me rappelle bien. Du coup, bah, l'empreinte, c'était le tueur, a priori. Mais là, on a trouvé une autre empreinte. Oui, ça veut rien dire, en fait. Qui était censée être, je pense, la même, mais c'est pas la même. C'est ce que j'ai compris, en fait. Mais vu que je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé la dernière fois, et ben c'est mal barré. Ok, ça a sauvegardé. C'est bien. Oups. J'aurais peut-être pas dû. Elle fuyait. Oh.
C'est, elle est déguisée en mannequin, j'ai l'impression. Coucou! Il lui manque un index. Ah oui, c'est vrai. Il lui manque un index, j'avais oublié ça. Coucou Blacky, comment ça va? Bonsoir à toi. Bon, il y a des mannequins partout. Du coup, oh là là. Ok, c'est des vrais mannequins. À moins qu'il y ait des gens qui se déplacent sans tête. Il y a quelqu'un qui a fait « You're dead ». Tu rentres en fin de ta journée marathon. Ah, t'étais avec Kyriel, c'est ça? Kyriel. Tu peux enfin manger. Bah, bon app. À minuit, c'est bien. Ouais. Petite détection, ok. Tous les indices... Des indices, donne-moi des indices. Ah, oh là là. Suivre les traces de traînée au sol. Ouais, enfin. Ok. Je sens pas quand même. Ok. En fait, c'est toi le méchant. Bah, ça va peut-être être ça à la fin, le retournement de situation, Zerok. Tu viens de nous gâcher toute l'histoire. J'en sais rien, mais possible. Ça serait rigolo. Je crois qu'il y avait un truc. Oui, bah oui, parce que je crois que j'y pensais déjà, en fait, la dernière fois, il me semble. Parce qu'en fait, il se retrouve. Il a des flashs. D'être avec le tueur, en fait. Comme s'il y avait des choses qui s'étaient déjà passées. Donc, effectivement, ça, c'était. C'est oui, ce serait la logique du truc. Mais non, c'est pas du spoil, en fait, puisque je pensais à ça la dernière fois déjà. Enfin, de toute façon, ça serait pas du spoil, puisque t'en sais rien. Ok. Alors, déjà. Toi, paf. Wow, ok, d'accord. Aïe, oh putain! Tu fais mal, monsieur! Ok. Bon, j'en étais là. Ok. Journée à ce cosplay enchaîné avec un event fait dans la maison de quartier. Passer en coupe de. Coupe, ah non, pas. Ok, d'accord. Passer un coup de vent chez moi et me déguiser pour la Zumba Party Carnaval. Avec installation, atelier du grand stand photo et quelques heures. J'ai remis mes fesses quand même. Ah, cool. Ok, d'accord. Donc, oui, rien à voir avec Kyriel. C'est juste que j'ai vu Kyriel en live assez longtemps. Récemment, là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit. Je crois qu'elle était avec des gens. Mais arrête de me parler, toi. Ok, alors. Continue à suivre ça. Que le mec s'embrasse, ça soit un des. Ils ont des sales tronches, oui, c'est clair. Ah, ils sont tous drogués, apparemment. C'est le. C'est la façon dont le jeu a d'expliquer que le fait que les mecs nous attaquent comme ça, sans provocation, dès le début. Ok. C'est par là, je pense. Voilà. C'est marrant parce que le truc apparaissait là. Coucou, Rojim là-haut. Elle fêtait l'anniversaire de la Kane cette semaine. J'étais avec elle mercredi soir sur Don't Starve Together et un peu hier soir pour Keep Talking and the Body Explode. Ok. Faudrait que j'y joue celui-là. On n'avait pas prévu de faire ça, Ziwin. Keep Talking and the Body Explode. On n'avait pas prévu de se faire ça à un moment donné. Samedi. Ok. Ça va derrière. Ok. Ça marche. Je ne le sens point. Oh, un sapin de Noël.
Oh mon dieu, Blackie! Loot! GG, Blackie. Eh ben écoute, tu as le droit de choisir un jeu dans la liste de giveaway. S'il y en a un qui te fait plaisir. Ah, on peut aller là en fait, ok? J'imagine qu'il y en a un qui te fait plaisir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était bizarre. Oh, c'est bizarre. T'as cliqué, t'aurais pas dû. Ah, il y a eu plantage. Ah, mais Calimoun, c'est Calimoun qui a fait la même bêtise l'autre jour. C'est, le truc est pas pratique ou qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Mais si tu veux, Blackie, je note et c'est pas grave, on fait comme si t'avais pas dépensé. En fait, attends, regarde, attends. J'ai un truc. Est-ce que je peux alt-tab, merci. Je vais voir si je peux annuler en fait. Reward queue. Loot, réponse coucou Jim. Alors je vais rejeter, ok. Alors ce que ça fait. Est-ce que ça te rend tes comptes, dis-nous. Je suis curieux. De toute façon, l'un dans l'autre, tu les as dépensés. Hein. Que je rejette ou j'accepte. Tu les as dépensés, mais ils sont de retour. Ok, cool. On aurait dû faire ça, Calimoun. Je suis désolé, on aurait dû faire ça la dernière fois. Cliquez dessus pendant avoir une information. En fait, ça te le fait utiliser. Il te demande pas de confirmation. Ah, en fait, à chaque palier, le chat s'allume avec un message. Tu viens d'avoir le candidat de nous avec un gros bouton violet. Vous te dites de suite. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Ça casse pas, ça? Je pensais que ça allait casser, en fait. Ok. Bon, bah, on le sait maintenant. Si jamais il y a plantage. Voilà. Et désolé, Calimoun, c'est vrai que je savais pas ça avant. J'ai vu ça hier. Je me suis dit, tiens, pas de faire ça, c'est pas grave, ça fait une heureuse de 13 ans. Oui, c'est clair. Voilà, c'était pas perdu, effectivement. Cool. Ok, bon. Est-ce qu'on peut péter ce truc-là, le rideau de fer? Je pense pas. Hein. Non. Par contre, il a vraiment des poumons pire que Sebastian Castellanos. Castellanos d'Evil Within. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, salut! Ah ouais, hein? Tiens! Ah, ça fait pas du bien, hein? Peut-être sauvegarder, il n'y a pas de sauvegarde rapide. Oh putain, il faut renommer le jeu à chaque fois, c'est nul. Ok. Donc faut faire gaffe quand on écrit sur le chat, que ce soit pas au moment où le truc signale qu'on vient d'avoir assez de points pour dépenser un truc. En même temps, ça a le mérite de pouvoir s'améliorer si les retours sont faits à Twitch. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, il y en a un autre, ouais, je sais, il est parti se planquer, ce con. Aïe! Oh là là! Oh. Bon, ok. Ça me fait marrer. Il m'a vraiment défoncé par contre lui. Oh là là! Il m'a fait ultra mal. D'ailleurs, un bouton de pas utiliser tout de suite, je sais plus, ou une croix pour fermer. Ouais, je sais pas. Moi, je sais que j'ai déjà eu ce message-là dont tu parles, Jim Lao, sur d'autres streams, où c'était juste pour envoyer un highlight, en fait. C'est un message. Et je sais que ça m'a... Enfin, j'ai pu l'annuler, le truc. Mais après, je peux comprendre qu'on soit... un peu confus. Merde, je voulais... Ah, il est là. Overkill, la masse sur la... Voilà. Bon. Sinon, Blackie, je te rappelle que Lucky Nours, c'est demain. 15 à 19h. C'est assez rare. Il faut bien que je le répète plein de fois. Je balance un tweet demain, d'ailleurs, tiens.
Moi j'ai failli dépenser mes points comme ça. D'accord, ok. J'ai cliqué dessus pensant à une information, je crois pas à cliquer sur utilisation. D'accord. Ah. D'accord. Voilà. Oh, sauvegarde. Avec de... Y a du soin là. Au cas où, hein. On vous rappellera, il y a du soin là. Soin de soin. Merde, j'espère que je vais pouvoir passer. Bah, t'as intérêt. Hein. T'as intérêt. Pourquoi tu crois que j'ai des oreilles qui poussent là? Après, il y a des gens qui font « Oh, il est rigolo ton serre-tête !» C'est pas un serre-tête, c'est des vraies oreilles, voyons. Bonjour, monsieur. Wow! Non, 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 par contre, c'est... aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'il y a un... Il a paré avec son gun. Il a paré avec son petit flingue. Il a une grosse masse. Il tape et l'autre fait ping avec son colt. Ok. Merde. Allez, je prends les deux. C'est la fête. Black était joué à la principale. Ouais, elle a fini. Elle a fini, même le DLC, je crois aussi. Je crois que c'était une nouvelle déco chez toi. Il m'a mis la misère grave. Non mais je suis très nul. Je suis extrêmement nul. Je suis meilleur en parade sur Dark Souls. C'est dire. Vraiment. Hein. Il y a un mec derrière. Il est caché. Il croit être caché. Regardez. Je suis caché. Mec, t'es caché. Oh. Mais bordel. Mais bordel. Mais j'y arrive pas. Ah oui. Hein. Eh. J'avais un ulti à faire là. Enfin un achievement. Un fatality. Ça va marcher. Ah là. Oui, j'ai me tente stream et le DLC aussi. Ok, bah moi j'ai démarré le jeu pour tester un peu. Ouais, j'ai bien compris. T'inquiète. Il y a eu. Trouver l'ascenseur et suivre les traces. Ok. Ah, mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Il y a des gens cachés derrière les poteaux. Aïe! Oh là là! Non, 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 non! Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas grave. De toute façon, c'était tout mal géré là. Tout mal géré. Ok. Donc, déjà, on va péter ça. On va pas prendre tout de suite. Alors, on essaie de parer. Hop, ah oui, c'est vrai. Mais j'arrive pas à parer, c'est un truc de ouf hein. Franchement, je ne comprends pas la parade de ce jeu. Ça, c'est la démo il y a 1000 ans, tu peux même jouer si... Ouais, faut que tu joues, il est bien Talos. Moi c'est un... Je préférerais faire Talos plutôt que Witness par exemple. Ok, on va remonter. Non mais monte, mais cours. Aïe, 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 aïe. Eh, ils veulent pas venir. On peut pas sauter dans ce jeu, c'est vrai. Ils veulent pas venir. Pourquoi tu vois un visage quand tu meurs? Je sais pas. J'en sais rien du tout. C'est pas clair. Mais reviens. Mais reviens. Ah putain. Non
Mais pourquoi hurler aussi quand il tape et il est pas discret? Briser une vitre non plus, ouais. Tiens. C'est bon, je pense. Vite, cours, 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 cours. Il a paré encore avec son flingue. Mais... Oh Dieu! Ah bah super. Ok. Le flingue, il est à court de munitions. Voilà, je vais entendre me soigner. Chill. On prend juste un bridou. Voilà. Ok, il veut pas mourir différemment. Bonjour, monsieur. Monsieur. Ah, putain. Oh là là, mais... Ah oui, voilà. Alors, casser deux. Non, deux. Mais... Putain! Je veux le Fatality, moi! M'énerve! Donc y a un autre couillon là. Deux même. Ah oui, puis il a un flingue. Il a un vieux flingue. Il a un shotgun, ce con. Je peux pas m'accroupir, on peut pas. Enfin. Oh là 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 là, là. Ah putain! Ah! Oh mais tu tirais pas! Mais il bougeait plus! Non, Udo, je dois me soigner! Ah, j'ai plus d'endurance. En même temps, ça allait pas vite du tout, hein, courant. Oh, il a un flingue aussi, lui. Allez. Ah, oh, c'est pas un flingue. Ouf, ok. Ah, zouip. Putain, c'est costaud, hein. Ok, je vais sauvegarder. Je pense qu'on est pas mal, là. Il y a plus de soin, mais quand même. Tac, tac. Oui, je veux. Pourquoi me demander de renommer le nom du fichier à chaque fois? Je ne comprends pas. Ok, deux secondes. Je vais vérifier qu'il y ait personne. Puis on va prendre ça aussi. Combien il y en a? Oh, Royal, 4. Ok. Je vais vérifier qu'il n'y ait plus personne. T'as plus les popos? Non, je viens de bouffer la deuxième là. Un instant. Ok. Ok. Outil de détection. Pim 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 pim. Là. Trace de traînée continue. Trouver un moyen de passer de l'autre côté. Ok. Mais comment? Là, on peut pas passer, on est d'accord. Non plus. C'est que si on va passer par là, il n'y a que là, là. Putain, la musique. Sauvegarde auto, c'est bien. Oh, elle s'est cachée là-bas. Je t'ai vu. Oh, il y en a deux. Je vous ai vu. Viens!
Toi d'abord. Alors c'est pas très chouette. Là, Todo. Suivant. Suivant. Ah, il y a une, y a un soin de soin là. On va attendre quand même. Okay, où? Un oiseau à la con. Je t'ai vu. Il y a un autre soin de soin là. Plusieurs même. Du coup, on va prendre l'autre derrière. Histoire d'économiser, d'optimiser plutôt, je veux dire. On devrait nommer ce jeu Survival Hide and Seek Horror Simulator. Hein. Un truc du genre. Ouais. Je. Ouais. Alors, j'ai vu que le second. Je crois qu'il est disponible que sur PS3, un truc comme ça. Il n'est pas sur PC le second. Il s'appelle Condemned Psycho quelque chose. Il a un flingue lui. Hein. Oh! Ah merde! Ah merde! Aïe! Mais. Mais comment il m'a défoncé? Oh. Oh vache. OK. Oh, il se passe des trucs là. Oh, il se passe des trucs là. Oh, j'aime pas ça. Oh, ok. Ok. Putain. Désolé, le coup est parti tout seul. Ah, la flip. Je me cache. Mais par où? Par où? Y'a pas de sortie! Là! Sauter! Ouais, ok! Ouais, d'accord. J'ai plus qu'une balle. Et après, ça sauvegarde. C'est bien, c'est bien. On sauvegarde, c'est bien. Oh mon dieu! Oh là là, là putain de con. Marc. Merci beaucoup pour le host. Ah. Tu vas te faire un sandwich. Bon app, Philou. On t'attend. Je bouge pas. Ok. Tu nous dis quand t'es heureux. Sinon, usual shopping at Walmart. Ouais, c'est casual plutôt. Casual shopping. Stop, putain, le con. J'ai pas vu Picard. Je le dis direct, j'ai pas vu le dernier Picard. On a pas... Il y avait Koh-Lanta vendredi, tu vois. Donc maintenant, Picard, ce ne sera plus le vendredi que je le regarderai, mais le dimanche soir. Donc voilà. Non, tu peux avancer sans souci. Il y a aucun souci. Ok, ça marche. J'ai pas envie. Sauter, bof. Pas encore. Ok.
Bah c'est bien, il y a du... Raya ! Il y a du soin, mais on n'a pas besoin. C'est quand même ballot. Bon bah sautons. Tu fais passer Koh-Lanta avant Picard ? Bah Koh-Lanta c'est du direct. Mais non mais... Picard est mieux. D'accord. Mais j'aime bien Koh-Lanta. On regarde Koh-Lanta. Picard, on regardera après. Je te réunis, te déshérite et te maudis sur 832.3 génération. Non ! Non mais c'est logique, c'est faut optimiser, Marc. Après, tu vois, si Elkinet, elle était d'accord pour regarder Koh-Lanta et à la suite Picard, eh ben je le ferais. Mais c'est pas possible, elle est pas d'accord. Notera que j'ai qu'une cartouche de fusil et après j'ai ma crosse de fusil qui va casser en 2 secondes. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Je le sens pas là. Ah! Non? Ah, oh, hein? Ah, c'est là, ok, d'accord. Non, mais s'il te plaît, là. Qu'est-ce que. Mais. Ok. Tu veux quoi? Tu veux toutes les empreintes? Tu veux une seule empreinte? Tu veux quoi? Je comprends pas. Pff, les femmes. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pff, les femmes. Je peux le dire, elle est pas là. Donc c'est pas ça. Est-ce qu'il s'est... Je crois que c'était la tête à la base. Est-ce qu'il faut il faut une empreinte particulière là, celle-là, non. Non, ok, d'accord. Bah c'est pas là alors, je sais pas. Non mais mais si, c'est forcément là. La trace, elle arrive là. C'est forcément là. Mais oui, c'est clair, il veut quoi le jeu là? Il explique. Qu'est-ce qui clique le jeu? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, le jeu. Ok. Prends une empreinte. Ouais, mais je veux bien, mais... je fais. Une empreinte, deux empreintes, c'est pas celle-là. Il faut qu'en fait il faut que le truc que ça fasse bip et que ça soit vert avant de pouvoir prendre la photo en fait. Ah voilà. Super, non mais super. Enfin bref. The footprint is an exact match to the print I found in the metro station car. It may be the matchmaker, but I'm still concerned about that rogue fingerprint from the tape recorder. Keep following the trail. May lead to answers, maybe even a body. I would if I could, but this part of the department store is flooded. His trail ends here. It might be a long shot, but try using your gas spectrometer. Dead bodies start decaying immediately, producing hydrogen sulfide and traces of methane. If there's a body, you should be able to sniff it out. Je serais ravi d'apprendre que j'ai pas revu le film avec Claire Quin. Ah, c'est bien ça. The air sample contains usual city and high concentrations of mold spores, and here we go, methane. It's relatively weak, but definitely there. Tu m'excuseras, mais avant ça, je vais faire ça. Ok. Non mais, tiens, je vais prendre.
Porte-manteau. Porte-manteau. N'importe quoi. Hein. Porte-manteau, quoi. C'est un porte-manteau, ça? C'est pas un porte-manteau, ça. Bon. Remontez la piste. Va voir, là. C'est un porte-mental. Ah ouais. C'est... Il fait une dépression, c'est ça? À la place, je me suis regardé les deux premiers épisodes de Avenue 5 et je trouve ça très bof. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. T'as vraiment épuisé ton stock de bons trucs à regarder, en fait, toi. Hein. C'est fou. Mais je sais pas, Marc, est-ce que t'as vu les derniers Titans? Est-ce que t'as vu tous les Doom Patrol? Doom Patrol, ils sont bien. Hache nécessaire. Mmh. Donne-moi une hache. Ouh. Donne-moi une hache. Là aussi, il faut une hache. Donne-moi une hache. Je veux une hache. Donne-moi une hache. Allez, s'il te plaît, le jeu. Donne-moi une hache. Donne-moi une hache. Ça vient de sauvegarder. Ça, c'est pas bon signe. Ok. Il y a quelqu'un qui fait. Oh, ah, salut. Ouf. Ouch. Ouch. J'ai mal. Consonne H, GG, Avia. C'est ça. J'ai fait la saison de Titan de soir. Ah, cool. Okay. J'ai toujours pas vu, moi. Il faut que j'aille dans l'eau, vraiment. Il y a des jeux. Il y a dans ce genre de jeu, il faut pas aller dans l'eau, si. Mais j'ai pas de hache, je ne peux pas remonter la piste. T'es morte, toi? Non, t'es pas morte. Non, t'es morte. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Ouah, putain. Ouah, putain. Il me fait peur, lui. Dégage. Retourne dans ton eau, dégueulasse. C'est quoi la fin? Il y en a pas. On s'en fout des fins. Allez là, la hache. Ramassez le hache. Le hache. Il n'y a pas de soin de soin? Non mais même pas peur, quoi. Même pas peur. Pause là. Heureux en tout cas, Filou. End quote. Ouais. Attends, il y a un gars qui va te la porter la hache. Eh non, elle était sur au milieu de la flotte, sur un frigo qui flotte. Oh, de la vie. Je voulais taper là-dedans parce que je me suis dit, si ça se trouve, il y a un drogué encore. Pouette. J'ai mal à la nuque. H to H de David Bowie. H to H. Give me an H after midnight. Et là, il me file plein de soins, mais j'en ai pas besoin. Pas besoin. Oui, je vais reprendre l'outil de détection. Tu te calmes, je le reprends une seconde.
Ok. Ok. Oh, j'ai vu un truc bouger. T'es pas chiche. T'es pas chiche. GG, Tiama. Ash control to Mage Akinu. Ça marche pas. Ça sonne pas top. Ok, là, c'est pas par là. Ouais, non, 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 non. Mais arrête! Mais oh! C'est par là? Non, c'est pas par là. Hein. Non, ça diminue. Minu! Tu peux courir? Ouais, mais pendant au moins 4 secondes et demie. C'est-à-dire, c'est une course effrénée. Yes, c'est par là. Tiens, voilà. Là, j'ai couru. On dirait pas comme ça. Hein. Alors, il y a une porte marquée sortie et l'autre marquée rien. Donc, je vais essayer celle-là déjà. Ah, je l'ai fait avant, Jim, là-haut. Trop tard, je suis désolé. Ok. Entre une course effrénée, il faut choisir. Oh, j'aime bien. Mais la hache n'est pas destructible. Non. Sinon, Avenue 5, c'est une espèce de sitcom de space opéra avec Hugh Laurie et je trouve pas ça drôle. Ok. Ça me donne envie de tester. Ok, ça a sauvegardé là, donc on va revenir en arrière. Je vais regarder ici ce qu'il y a de plus. Oh merde. C'est ouf quand même que je panique. Ramasser canalisation, non. Ah. Ouais. C'est pour avoir ça en fait. On s'en bat les steaks un peu. Ce qui nous a pas révélé le kiné, c'est que c'est lui qui fait les voix du jeu. Non. Entre une course effrénée. Une course effrénée, Zewin. Effrénée. Ou t'as pas compris la blague du pain qui diminue quand on le coupe. Ah, que dit le pain quand on le coupe? Il diminue. C'est pas mal, mais tu peux le faire avec tout en fait, non? Que dit une saucisse quand elle la coupe? Elle diminue. Pareil, on peut faire avec tout en fait. J'avais pas lu moi en fait. Donc, okay, on va revenir dans 2 secondes, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un au détour du couloir qui en voudrait à ma vie. Vu que, a priori, le bâton. Boulonné, pardon. J'avais lu bourdonné. À mon avis, il y a des gens derrière. What the f... Ah mais oui, c'est clair. Non mais c'est clair. C'est clair. Fouiller les cabines d'essayage de cadavres se trouve dans les parages. C'est toi, parage. Inspecter le lieu du crime. Ok. Oh là 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 là. Mais le but du jeu, à part tuer des pauvres innocents, c'est quoi? Eh ben, bah fallait suivre, hein, Philou, je suis désolé. Hein, voilà, je vais pas expliquer. Non, je déconne. Nous sommes un détective du FBI qui enquête sur un meurtre en série. Un meurtrier en série, même. Et lors de son enquête, il se fait chourer son arme de service.
Et le meurtrier en série lui prend son arme de service et bute ses deux collègues. Ok. Et puis du coup, bah maintenant, il est recherché par la police. Donc, il essaie de remonter la piste de ce meurtrier pour nettoyer son nom, en fait. Voilà. Donc, chemin faisant, il y a plein de drogués. Ouais, il y a plein de drogués qui, sous l'emprise d'une drogue particulière, veulent le tuer. C'est logique. Et c'est comme ça. T'as déjà vu le film d'horreur Mirror, Zelkinou, avec Kiefer Sutherland? Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Bute pas le cadavre. Non, je vais pas buter le cadavre, je vais faire ça. Je suis désolé, c'était même pas voulu, hein. Vraiment. Je veux te la photographier, la tête, ouais. Oui, puis il est mort il y a longtemps. Alors, c'est Jean-Michel qui enquête sur le meurtre d'une tourterelle, mais il se fait piquer son pantalon par une mouette, et du coup, tout le monde veut le buter. Hein ? C'est pas mal, ça. Je sais pas si c'était pas mis en flou. Faut que je prenne la main, c'est ça? Je bouge de là parce que ça doit être là en fait. Yes, he's missing his right index finger, and it doesn't look like it's a recent loss either. This guy's the matchmaker. Well, he certainly didn't kill himself and set it up this way. See what else you can find. Okay. Aha. What is it? Too early to call. Small particles that show up as a potential organophosphate pesticide. I'll work more on that and see what we get. We know you're in here. Give yourself up! Okay. Awkward! Oh mais merde. Saloperie quoi. T'es qui toi? Ouais, c'était un policier apparemment. Il est arrivé par là, ok. C'était la main droite, ouais. Sinon, Mirror, c'est pas mal, je te conseille d'ailleurs. Il est sur Prime Vidéo, il me semble, ok. Il est au rayon outillage pour la hache. What? Quoi? Ah, je suis au rayon chaud. Au rayon danger. Oh putain! Ah, mais je vais... Il est où l'autre? En fait, faut anticiper grave les parades, c'est ouf. Ah.
Ouais, c'est comme ça, en fait. Vraiment. Ok. Il y en a d'autres ? Combien il y en a ? Ouh là là ! Ok, je sauvegarde, on va s'amuser là. 3. Je change de support au rayon danger. Non, il avait pas de gun l'autre en fait, Kalimoun. Celui-là, ouais. Mais l'autre, en tout cas, j'en avais pas vu. Y'a un mec là. Ah non. En tout cas, y'a plein de flics dehors. Ils vont m'en vouloir à mort. Oh, y'a un autre flingue là. Talks about a serial killer that was on your case list. 9 names were mentioned. Of those, 7 of the 9 were crossed out in each of the clippings by a black felt tip marker. The only names that weren't crossed out were the matchmaker and the torturer. Of the names that were crossed out, all those cases have gone cold. And now you can cross off the matchmaker. Wait, are you implying that there's someone stalking serial killers? So what, he goes around killing killers, and then he marks off their name in his little personal diary? Sounds ridiculous, doesn't it? It does, but it adds up. It almost makes sense. Hold on. Ah, shit. Rosa, I have to call you back. J'ai pas vu du bâtiment, on va découper. Ok. Par où, par où, par où? Putain, mais y'a des gens partout. Voilà. Tu vas, Jim, là-haut? Bah non. Mais non. Non, tu restes. C'était un peu abrupt. Je suis allé te dire que je m'en. Ça marche, Jim. Bah, bonne nuit, merci beaucoup encore une fois d'avoir essayé pour Condemned et puis bah, pour Lure of the Temptress. Et à demain, 15h. C'était notre patch de l'impossible, lol. Coucou Arnaud, bienvenue. Je viens de voir un truc chelou et le kit a changé. Si tu parles de ça, c'est le kinours qui pousse, Arnaud. Tu sais bien ce qu'on avait prévu pour les 2001. Pour les 2001 followers, les 2001 kinous, c'est le kinours. Voilà. Allez, chapitre suivant. Rapport interne numéro 991. Une seule source à tous les maux. Les humains sont affectés par des perturbations sonores d'origine inconnue qui provoquent une détérioration du cerveau. On ignore encore d'où elles proviennent ou qui les émet, mais les gens qui sont naturellement prédisposés aux tendances violentes montrent un comportement paranoïaque et homicide agissant pour beaucoup comme s'ils souffraient d'hallucinations. Ah bah c'est pas que des drogués en fait. Voilà. Yeah. You were going to call me back. Sorry. So the fingerprint in the metro station and the boot print are not the matchmakers, but this other guy. So, is he the torturer? Doubtful. It's not the torturer's MO. Think about it. The final murder in each of those cases on your list ended with a killing similar to the previous ones. This guy goes around and kills the killers in the same way that they're killing the innocent. He's like an Uber killer, a serial killer X, a perp not on your original case list. So, this serial killer X kills serial killers. He takes them down using their own methods. If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sick stuff. He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down. His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually deliver the final blow. What is this city coming to? All right, so I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him? Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently. Sorry. Look, I can't.
can't get you the bureau dossier on the torturer now, as you can imagine. But we can find out some public information. And I have something else you need to see. Okay. Well, it's too dangerous for me to come to the bureau. Can you meet me at the city library? You know there's been a fire there. The whole thing's shut down for repairs. Exactly. There's damage, but there's got to be a terminal or two still working. And no one will know. Can you meet me there in 15 minutes? I'll be there. On va la rencontrer enfin, la madame. Je suis en prison sur Twitch, je préfère me soigner. Eh ben oui, soigne-toi, c'est important, Arnaud, effectivement. Je suis avec vous, mais j'ai pas trop le chat sur la télé, sur ma côte. Ça marche, Blacky, y a pas de souci. Elle m'a dit que son cœur était pas à prendre, à bien, dois-je le prendre personnellement. Oh là là, Thomas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu. Eh, on avait un flingue avec 6 balles et il me le vire, quoi. Sérieusement, abusé. Hein? Ramasser la porte du casier. J'ai une porte de casier. Ok. Ok. Par contre, la parade avec la porte de casier est pas top. Mais tout le reste est bien. Il y a quelqu'un là-bas. Attention, j'ai une porte de casier. Hein. Tension, tension. Ça fait mal la porte de casier. Ok. C'est vrai, quand on aime, on pousse bleu et on like et on retweet. Oh, Thiemin, c'est gentil. Merci beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu, effectivement, tu fais beaucoup de. Tu retweets et tu likes vraiment beaucoup mes tweets. Et ça, c'est gentil. Merci d'ailleurs à tous ceux qui font ça. C'est toujours très très cool. Et puis c'est vrai, voilà, ça coûte pas grand chose, c'est vrai. Combien j'en ai ? 5 balles, ok. Un signe de détective argent débloqué ? Ok. Parce que j'ai éteint la télé. Ok. Le clouer 2x4. Ramasser, clouer 2x4. Ok, non, bah non. Non plus. Je veux mon flingue. Mon flingue. Oh bordel! Je veux le flingue! Dégage, qu'est-ce que tu fais là, toi, bordel? Alors, le flingue. Oh putain. Avec qui on parle de Blacky? Hein, quoi? Ok, j'ai rien suivi alors. Parce que Thiemin, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de likes. Alors, je le remercie, c'est tout. Pas de... Ah, ça prend 2 secondes, ça me fait plaisir. Cool. Il a pas compris que c'était de l'humour. Non, mais l'humour, je comprends pas, moi. J'aime pas l'humour. Putain. Sérieusement? J'ai tué Max Payne, c'est vrai qu'il ressemblait un peu. Ok, bon bah tant pis, bye bye le flingue, la merde. Tout ce qui tombe sur cette porte là est maudit, je ne peux plus ramasser. Je vais où maintenant? Je reprends la porte de casier du coup. Hein. Oh là là, je kiffe Picard, je spoil pas regarder. Ouais, non, mais t'inquiète, je les suis moi aussi. J'ai juste pas vu le dernier encore.
Alors attends, je relis parce que s'il y avait une blague, il faut que je la comprenne. Donc Blacky dit je suis avec vous, j'ai pas trop le chat. Ensuite, Avia dit ah Blacky, foutu Tinder. Là je comprends pas. Moi elle m'a dit que ce cœur n'était pas à prendre, Avia. Donc je vais prendre personnellement. Donc du coup je vais pas comprendre. Je vois pas le rapport avec Tinder en fait. Tu m'as lâche pas quand on aime, on relike. Ok. Donc ça veut dire que si tu m'as, faut qu'il continue. Alors je sais que c'est tout ça, c'est sur le ton de la blague hein, évidemment. Mais donc il faut qu'il relike sur Tinder. C'est vrai quand on aime, on pouce bleu, on like et on retweet. Ok. Donc du coup là, je l'ai pris un petit peu pour moi puisque c'est vrai qu'il le fait beaucoup. Mais ça, c'était pas une blague. Si c'était une blague, je comprends pas. Tinder, c'est une app de rencontre genre mythique. Non mais je sais, j'ai compris. Mais je vois pas trop le rapport entre Tinder et la couette, en fait. Sur le tel et sous ma couette. Donc elle regarde sur son téléphone, sous sa couette. Ok. De rien, ça prend deux secondes, ça fait plaisir. Donc du coup, en fait, ce que tu disais, Chema, c'était vrai. Donc c'était pas une blague, là. C'était une blague, mais c'est vrai que je suis sorti du sujet Tinder avec pouce bleu. Ok. Bon, alors en fait, donc peut-être que c'était une blague, mais c'était pas drôle. Peut-être que c'est ça en fait qu'il faut dire. Et donc du coup, vu que c'était pas drôle, c'est normal que j'ai pas compris. D'accord. Je connais pas le relike. Je suppose que Avia parlait de Tinder. Peut-être. Oui, ça semble logique. Ouais, d'accord. Il y a un relike sur Tinder. Hein. Tu peux. Quand tu likes et quelqu'un te fait non. Oh putain, l'enfant. Putain, mais ils me font tellement mal. Dégage, 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 dégage. Donc en fait, si tu fais hé, hey, je te like, et puis que la nana ou le mec hein, fait oh non, et bah toi tu peux relike pour insister, c'est ça. C'est le like. En fait, ça devrait pas s'appeler relike, ça devrait s'appeler relou. À mon avis. Je disais en rigolant de manière de dire que pouce bleu, like et retweet, c'est la nouvelle façon d'aimer. Ah, d'accord, ok. Ah, mais j'avais pas compris ça, ouais. Non, mais j'ai pas d'armes, monsieur. J'ai pas. Arrête, j'ai pas. Oh là 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 là. Et où il va? Où il est? Ah. Putain, j'y arrive pas. Ah là 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 là. Ce gameplay est tout pourri. Ok, allez. Je concentre. On reprend une porte de casier. Il m'a dit bitch. Putain, il y a l'autre qui arrive maintenant. Dégage. Ok, donc je préfère ça. C'est lourd quand même. Ok, allez, on sauvegarde. Sinon, on va jamais y arriver. Retrouver Rosa à la bibliothèque municipale, ok. Ok. T'es passé des junkies au commando? Non, c'est toujours des junkies. En fait, c'est pas des junkies, en fait. J'ai dit de la merde. C'est pas des junkies. Oh! C'est pas des junkies, c'est des mecs qui sont atteints par... Ah! Putain, quand même. Ah, ça fait deux fois qu'ils me one-shot ou presque. En fait, ils sont atteints par des ondes sonores débiles. Ça augmente leur agressivité. Regarde, c'est marqué là. Les humains sont infectés par des perturbations sonores d'origine inconnue qui provoquent une détérioration au cerveau. On ignore encore d'où elles proviennent ou qu'elles émettent, mais les gens sont naturellement prédisposés aux tendances violentes
Comportement paranoïaque et homicide, bla 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 bla. Sinon, pour l'histoire, je l'ai déjà raconté 4 fois de suite tout aujourd'hui. Donc, c'est fini. Bon, attends. Ah ! Putain, flûre ! Enfluré, va. Combien t'as de balles encore? 5? Yeah. We're getting reports of violent outbreaks near your current location. Damn, and that means the cops. You need to get the hell out of there. Oui, bah je vais me soigner avant, si tu, s'il te plaît. Si ça ne t'ennuie pas. Là-bas, là. Il s'appelle prendre la porte, oui, hein. L'histoire, quelle histoire? Non, mais il y a vraiment une histoire. Je la redis, l'histoire. On a un agent du FBI. Et on s'est fait accuser, a priori, peut-être potentiellement par erreur, du meurtre de deux de nos collègues, alors que c'est un tueur en série qui l'a tué. Putain, là, les flics. Donc, du coup, on est pourchassé par la police. Donc, on essaie de laver son nom. We want to clean... To wash our name. OK. Clean a wash. Yeah. Maintenant, ça va être les flics, ouais. Grimper. Ok. Get down. Oh. C'est à sauvegarder, c'est bien. Mais je fais quoi? Je vais là, hein, comme ça, là. Oh, mais ils sont en train de se flinguer. Ouais, d'accord, mais je vais où, là? Parce que l'autre, il va m'allumer, direct. Pourchassé par les flics pour un crime qu'il n'a pas commis, et avec ça, la ville en proie au carnage avec des toxicos tarés qui tapent sur tout ce qu'il veut. Voilà, et alors le truc, c'est là où je me suis blindé, c'est pas vraiment des toxicos, c'est des gens qui sont atteints par un truc bizarre. Comment je fais, là? T'arrêtes, l'hélicoptère, ça suffit. Shotgun à distance comme ça, là, ouais, forcément. Ouais, d'accord. C'est que c'était super utile, ça. Je recharge, je suis désolé, mais c'est tellement gâché, là. Ok. Donc. Par là. Non, par là. Voilà. Ouais, non, mais c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure que c'était des toxicos, mais en fait. C'est juste que la dernière fois, je m'étais dit que c'était, il y avait ce genre de truc un petit peu partout, dans d'autres jeux, où les devs utilisaient ça pour, enfin les scénaristes, attends, on va baisser le son, scénaristes utilisaient ça pour un petit peu justifier le fait que le héros se fait attaquer par plein de mecs, comme ça, de façon random. Et du coup, c'est pour ça, dans ma tête, ça m'est resté, et en fait, j'ai pensé que c'était les drogués, mais pas du tout. Alors, le truc, c'est que je voudrais savoir comment faire pour se barrer ici. On a une planche, certes. On peut pas sauter, hein. Ah, voilà, là, comme ça. Okay. On peut sauter que quand il y a une interaction. Eh, salut. Là, c'est bâton, non, je m'en fous. Merde. Si je veux. Aïe! Wow, se calme! Ou pas! Comment ça fait mal!
là. Sors, elle qui sort, oublie la clé, sort. Ouais, ouais, mais non. Dessus. Ok, n'a plus. Oh. Non, je veux pas ça, je veux... Ok. La vache! Oh, c'est chaud! Ouais, t'as peut-être raison en fait, Philo. Faut peut-être que je trouve un. Peut-être que j'ai rien. Je peux rien y faire là en fait. C'est possible, hein? C'est pour toi tous les deux. Hein. Ok. Quoi, faut que j'aille où, putain. C'est ouvert là, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Aïe. Vache. Non, 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 non. Allez. Oh, ok. Ah, dégage, 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 dégage. Je veux une vraie arme, putain. Oh la vache. J'ai pas d'arme. Smithy, Johnson, wait up. Rosa, are you still there? Very few people can tell me to shut up and get away with it. Sorry, I'll be there in a couple minutes. Hurry, I have a feeling I'm not alone here. Oh là là, ah bah il était court ce chapitre. Merci, Avia. Il était très très court, ma foi. Hop.
Rapport numéro 403, vague de crimes sans précédent, résumé. Les statistiques internes au service de police indiquent une forte augmentation de la criminalité. Au cours des 6 derniers mois, les petits délits ont augmenté de 64% chez les officiers de police et les violences domestiques de 114%. Cette hausse ne toucherait apparemment que les policiers des quartiers frappés de plein fouet par la récente vague de crimes. Oh là là. Ouais, on dirait que les gars attaquent les flics, mais pas toi. Peut-être que tu peux t'échapper. Ouais, ouais. Ils ont probablement du plus gros souci qu'un flic en cavale. C'est clair. C'est clair. Non, mais ouais, ils deviennent tarés et ils tapent un peu n'importe qui, en fait. Baramine nécessaire, ok. Je sais pas ce que c'était que ça, mais bon, en fait, je veux pas le savoir. Baramine nécessaire, une baramine. C'était épique cette fuite dans la poubelle là, je trouve. C'était pas mal. Ok. On est dans un... C'était Rosa, lol, bah, j'espère pas. On est dans un musée, ouais, c'est ça. Ok. Des calettes, ça. Tiens, on se voit la con. Elle est censée se trouver où ? Trouver des informations sur les tortureurs. Sur le tortureur. Ok. Et retrouver Rosa. Ça marche. Mmh. Je le sens pas. Je vais rester caché. sans ma lampe. Ok. Au sous-sol, évidemment. Ce serait pas drôle sinon. Oh là là. Oh là là. Rosa ? Ma lampe marche plus, évidemment. D'accord. Une arme ? Ok. C'était juste un mauvais rêve. Enfin, c'était juste un mauvais flash. Enfin, c'était pas grave, quoi. Ce que je veux dire. Ok. Pardon. Ouh là là. Désolé, j'en ai baillé quelques-uns. Ok. Thomas, over here. This might not have been a good idea. Squatters and addicts have moved in, and they don't like company. Come this way. I have something to show you. I used my security clearance to do a little checking up on you. I found this folder in your supplemental personnel file. Quoi? Oops. Qui est? Ouvrir le dossier. During your last physical, they found several abnormalities. For starters, your bone and muscle densities are off the chart. You have a reputation for being tough, but who knew? You also have a hyperactive serotonergic system in the brain. What that means, I have no idea.
And lastly, there's a chest x-ray that's been redacted. Redacted? Yeah, right where your esophagus and larynx are. Someone's blacked out the x-ray and added the notation, see subject's PR56. A PR56 is a special addendum to a personnel record, and yours is classified black. That's pretty top-level security, way beyond either you or me. Our government is awfully interested in you. I didn't know. Well, now you do. Maybe I shouldn't have told you, but there it is. Oh, and I also left something there on the counter for you. Popular modification to the standard taser. Alors, votre taser a été amélioré, c'est bien, mais j'en avais un. J'avais un... Je sais qu'ils en parlaient du taser, mais... Utiliser le... A. Bouton 2. Ok. Bien. Bien. Eh ben, ouais. Ça va aider, je pense. Ok. Vous croyez que la vérité fera une différence? Mon Dieu, la mission. Ok. Je pense qu'on est complètement taré. Et on est apparemment modifié aussi. Ça aurait pu être utile, ouais. Ouais, super nouvelle, ouais. Ah, mais c'est lui, hein. Jeez, Thomas, you okay? You looked like you were about to faint there. Come on, let's get this over with. Scavengers looking for parts to sell, or just maniacs destroying things. We have to find a terminal that isn't damaged. Hello. Looks like someone left the master key in the lock. You search this office. I'll take that one over there. Look for a computer that's in working order. Elle a un problème de tête de cou. Ok. Ramasser le coup. Ah oui, un coup de papier, d'accord. Super nouvelle, ouais. Le type qui t'a aidé à fuir au début après l'incident dit que t'avais un talent caché. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'avais complètement zappé ça, Thiema, merci. Ok, alors moi je... Ouais, à mon avis, je pense que... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ça? On y va, hein. Prendre le tiroir du bureau. Non, je peux faire mon coup de papier. Je crois. Hein. Quoique, un tiroir du bureau a l'air d'être mieux. Vitesse, allonge. Moins de dégâts. On va prendre ça. C'est un peu what the fuck. Oui, mais carrément, 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 carrément. Je suis pas trop bien sûr de ce qui se passe. Apparemment, elle est en danger, la dame. Rosa. Je pense qu'elle doit être morte. Hein. You suck! I told you we weren't alone. Oui, ça, come j'ai on, vu. I found a working computer. Mais moi, j'ai trouvé un tiroir. Ah, c'est fermé. Ok. Super, c'est une super arme, un tiroir. Faut y penser, hein. Jamais vous devez vous battre dans des bureaux. It's ouais, a search tiroir. Engine specific to the library. Just type in the torturer's name, and we should get the latest info from the local news, including broadcast feeds. Ok, t'as un flingue toi ou pas? Parce que... Non. Damn it! Can anything else go wrong? Évidemment. We'll have to find the server room and get the network back. Ok.
Remettre internet en marche. Elle est passée où? Elle s'est téléportée ou quoi? Pourquoi elle est pas là? I hate Mondays. Je déteste les lundis. Oh! Un cheval violet. J'arrive pas à voir ce qu'il y a marqué dessus, mais je suis sûr qu'il y a des trucs rigolos à voir. Ok? C'était quoi ce bruit? Oh, c'est rien. C'était elle qui se téléportait en fait. Il se passe quand même des trucs bien chelous, hein. Je suis pas sûr que... Rosa, Rosa, are you there? Rosa a disparu. Retrouvez-la. Ok. Rosa, t'es où? Je sors. Ok ou pas? Ah bah elle est là. Ok. Vite. Dépêchons-nous. Bonne ambiance, hein. Ambiance funzy, funzo. Faut une hache. Ok, faut que je trouve une hache. Ah. Lab at present, but will return shortly. In an emergency, please use my authorized bureau cell number. Physical evidence received and stored. Ah d'accord, ok, juste ça en fait. Dire que le téléphone de Rosa se trouve dans la salle du serveur, on trouvera un moyen d'y accéder. Ok. Une hache. Ah bah il a une hache lui. Très bien. Je pense ça, je préfère. Quoique non, en fait, le tiroir c'est mieux, je pense, parce que c'est une meilleure allonge. Ha ! C'est quoi dans ta main, une agrafeuse supersonique ? C'est un tiroir ! C'est logique, un tiroir. On est dans un bureau. On se bat avec des tiroirs. Et des livres. Et des coupes papier. Y a pas de livre encore. Enfin, y a des livres, mais on peut pas s'en servir. Ah putain! Merde, t'es loupé! Ok. Combien j'ai de balles là-dessus? Zéro. Ok, ça va être trop pratique. Je reprends mon tiroir. Ok. Je parlais du taser géant. Ah! Bah, c'est ce que j'avais mis quand je les ai... Ouais, c'est ce que... Ouais, c'est un taser. C'est... Pourquoi tu demandes alors si tu sais ce que c'est? Je sais plus quoi te répondre maintenant. Par là. Oh, par où? Non. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Rosa. Ouf.
Ah, ça m'éclate chaque fois. Non, mais j'avais posé la question avant que tu utilises le machin, du coup j'ai les réponses après. Ah, pardon, ok, autant pour moi. Délai. Oh putain, mais. Un tiroir 100 balles, c'est pas pratique, non. C'est le mec à la hache qu'il faut choper en plus. Non, non! Il est en train de recharger, fais chier, merde. Tiens. Eh, hey, mec! Alors? Y'en a encore là? Ouais. Oh putain, non, 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 non! C'est bon? Coucou Isidore, il est en fer forgé ce tiroir. Oh, plus que ça. Il est en titane. Machine balle là, ok. Et une là aussi, donc bon, hein, l'un dans l'autre. On va se soigner. Nickel. Je suis obligé de prendre la hache. Malheureusement. Elle est où la hache d'ailleurs? Je suis obligé de prendre ça pour défoncer la porte. Il est en scénarium. Voilà. Tout à fait. Comment t'es violent, Elkin? Ah, c'est le jeu qui veut, hein. Ouais, un autre monsieur là. Je comprends pas le truc là. Enfoncer, claquer, casser, frapper. Ouais, mais ça marche pas. Je comprends pas trop en fait. Ok, c'est pas grave. Bon, par contre, j'ai plus de life. Les bandeaux, le jeu, tu pourrais les attaquer à coups de caresse. Non. Non. Je sais pas si ça marcherait. On peut essayer si tu veux. Déjà, faudrait que je trouve. Là déjà. Voilà. Téléphone là. On va sauvegarder aussi. Des fois que... Là. Mmh. On l'a déjà chopé ça. On l'a déjà chopé. Non, c'est pas... Ok. C'est autre chose. Ah ah! D'accord, c'est pratique. This is Rosa. I'm out of the lab at present, but we'll return shortly. T'es con? In an emergency, please use my authorized bureau cell number. Mais il est con. Ah, ok, d'accord, c'est juste pour... Ok. Ramasser Baramine. Bah oui, là on va en avoir besoin. 4. Terminal fonctionne dans la section des livreurs. C'est peut-être Rosa. Ok. Ok. D'accord. Petite caresse derrière la nuque et puis tu lui coupes les cheveux, tu lui chopes les cheveux et tu les arraches violemment. Non, avec douceur. Bah sinon. Non.
On avait besoin de la baramine tout à l'heure, mais je sais plus pourquoi. Des livres rares sont situés dans la salle de lecture principale à l'étage supérieur. Faut reprendre l'ascenseur. Bah c'était par là, non? Je peux plus rentrer, là. Si Rosa, je serais absent pendant un certain temps... Arrgh. Ouais, c'était au début de la mission, ouais, je sais bien. Mais on était rentré par là-bas et c'était... C'est fermé. Oh là là... Oh, y a du monde, hein. Pas sorti de la merde... Okay. C'est bon. Allez. Je prépare le taser. Là. Je prépare le taser. Ça sent le mec qui va sortir du... Ah non. Tout va bien en fait. Tout va bien. Bon, sinon il y a des requins dans ce jeu. Pas encore. Mais je pense que si on arrive à m'en donner dans une piscine, je serais pas étonné qu'il y en ait. C'est le checkpoint là ? Non. Ah merci. C'est nouveau ça. Je me libère. Mais... Oh bah putain. Ok. Ouais, je prends la mitraillette. Oh, 15 balles. Du jamais vu. Jamais vu. Ok. Ah, j'étais à 1 PV, ouais. Je pense que ça aurait pu être... Ça aurait pu être un drame. Si t'arrives dans une banque, il y aura des requins de la finance. Tout à fait. Tu... Oui, c'est vrai. Ah, oui, je préfère ça, d'accord. J'avais pas percuté, en fait. C'est beau. Non. Baramine nécessaire, d'accord. Chier. On va les ouvrir, il faut récupérer le truc. C'est un T-800 le mec. Bah c'est ça, en fait, depuis le début, on se demande quand même ce qui se passe. S'il est bien bourrin. Et en fait, c'est parce qu'il est amélioré d'une façon ou d'une autre. Allez, gauche. Oh putain. Ok, voilà. Franchement, ça c'est un peu abusé quand même, je trouve. Les 15 munitions sur une mitraillette. Ok. J'imagine bien que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est quoi le scénario grosso modo? J'en ai marre de raconter le scénario. C'est un flic ripou. Non. Attends, Tioma, il peut copier-coller son message de tout à l'heure. Non, mais je peux le dire, y a pas de souci. C'est un agent du FBI qui enquête sur un meurtrier en série. Et puis, il se fait... comment il se fait...
J'arrive plus à le dire. Il perd son arme de service comme un con et par le meurtrier. Et le meurtrier bute ses deux collègues. Du coup, la flic le poursuit, ainsi que les meurtriers, ainsi que le tueur en série, ainsi que plein de gens. Et qu'en plus, il y a une onde sonore super bourrin, bizarre, qui rend les gens violents. Et donc, les gens violents, ils attaquent l'agent du FBI, c'est nous. Et on se rend compte que là, maintenant, eh ben, on est... un petit peu génétiquement modifié, c'est bizarre, on sait pas pourquoi, on a des flashs, il se passe des trucs. Et voilà. Ou alors on est un flic et puis blablabla, pam pam boum, ça marche aussi, ouais. Et merci Thomas. Copy pasta, tout à fait. Bon, bah on descend avec le flingue, il y a plein de flingues là-haut, mais c'est pas grave, on descend quand même. Piégé, c'est toi piégé. On va tous mourir. Ton résumé était quand même un peu plus détaillé. C'est vrai. Ah bah je suis redescendu là. Non. Un ordinateur fonctionne dans la section des livres rares. Ok. Allez, on y retourne. Par contre, il sait pas courir dans les escaliers. Ce mec là, c'est un truc de barge. Il peut pas en fait. C'est juste, il peut pas. L'endurance remonte dans les escaliers en fait. Ok, donc ça va être par là. Ouais, il va y avoir plein de gens là. Je sens gros comme une maison. Ou même comme un immeuble de 18 étages. Ok. Ok. Ah ouais, il y a un cadavre là, ouais, ça c'est sûr. Un oiseau qui pue. Il va falloir une masse pour ouvrir, c'est ça? Non. Donc là, le type qui bourrine tout le monde avec un tireur en granit, c'est le gentil. Ouais! C'est nous, on est gentils. Comment on fait? Ok. Bon, je voudrais pas, je récupère mon flingue. On sait qu'il y a une masse là. Ça pue pour Rosa. Oui, clairement. Ah. Masse nécessaire, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa masse et son échelle? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, oula, il est bien huilé le truc. Ok. Une masse pour monter sur une échelle. Bah oui. Non, apparemment il y avait un cadenas. Ouais, j'en ai ramassé un, il était vivant celui-là. Sautons. Rosa! Back off, you bastard. Come any closer and I'll rip your head off. Ah bah voilà. Rosa, it's me, Thomas. Oh. Ah non, okay. Oh, he must have clobbered me in the back of the head before taking off. Are you okay? There were these shadowy things standing over you. What? Look, while you're chasing shadows, that jerk tried to kill me. I bit him good though, right on the hand. Bizarre, ses pieds. Did you get any of the blood sampled? I saw some hit the floor. Yes, sampled and transferred back to the lab. Excellent. I can patch in through this computer and do a remote analysis. Ah, on peut pas passer derrière ces chaises. DNA from the sample matches DNA taken from the metro station hideout. This is the guy. This is our serial killer X. He killed the policeman, and he's been killing all of the other guys on your case list. What did he want with you? He wanted to know what we knew about the torturer. He made me look it up on the net. He knows the whole MO now. The abduction, torture, suicide thing. Thomas. The torturer is on your case list, and he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer X. X wants the torturer to die. He's hunting him down. Take a look at this.
This is Jennifer Alden, reporting from police headquarters. Developments in the case of the torturer serial killer. A retired gym teacher from the city's juvenile rehabilitation program has informed police of contact he had almost 8 years ago with a troubled youth named Carl Anderson, who reported fantasies that matched the torturer's methods exactly. Authorities are now asking the public to inform police if they know of Carl Anderson's whereabouts. Do not approach the suspect, as he should be considered armed and dangerous. Sources within the police department are telling me they are also concerned because their informant can no longer be located. Department spokespersons have refused comment on this latest development. This is Jennifer Alban, reporting for News Channel 5. Carl Anderson. Gym teacher tells the cops on you, and now the teacher can't be found. Okay, Rosa, we have to find the school where this teacher worked. School and city district records are in the basement. Follow me. Mm-hmm. Hopefully this key will get us where we need to go. Accéder au dossier et microfiche de l'académie, ok. Bracla va te démasquer. Non mais j'ai un doute maintenant, je suis pas sûr que ça soit vraiment nous le... Puisqu'elle l'a vu en fait, donc... elle a vu quelqu'un d'autre. Donc je pense que, à moins qu'on ait un masque ou une possibilité de changer de forme, c'est possible aussi. Je crois que c'est un serial killer. Un quoi? Serial killer. Un quoi? Et c'était trop bien ça. Ok, je reprends pas ma mitraillette parce que... Janitors keep this door locked at all times. Ok. Salut. Ça va? Il faut que j'y aille, c'est ça? You mind taking the lead through this area? Ah non, pas de souci. Je passe devant. T'as peur, hein, c'est ça? Hein? Ok, moi aussi en fait. Like an animal is crawling around up there. Ouais. C'est un peu ça, je crois. Je le sens pas, hein. Je vous le dis tout de suite là, je mon avis Rosa vers Quick. C'est un homme. Bah ouais, c'est les mecs qui ils crapahutent par terre. Et puis ils se lèvent pour te taper. Okay, there should be a stairwell that leads down to the microfiche room. Yep, hop, 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 hop. Ok, il faut trouver des escaliers donc. Rosa, t'as un morceau de patate sur la joue. Putain. Ok. C'est parti. Bof. Bof. Ah! Putain! Ah, damn, it hurt. Mon cœur. Yeah. Yeah. Busted my flashlight, though. Stay put. I thought I saw something down there in the dark. I'll be there in a minute. Mais n'y va pas, t'es conne! Attendez, Rosa, bah... Même pas eu peur, même pas eu peur, même pas mal.
On n'a plus de lampe. Thomas, it's me. Snap out of it. Here, take my flashlight. Make your way around to the doors on the other side. I'll let you in there. Don't take too long. Standing in the dark without my flashlight makes me nervous. T'es vraiment toi? Ou t'es un doppelganger? Hein? C'est pas vraiment elle. Ouais, elle va mourir là, c'est clair. Si elle reste là, on a notre lampe. There's no way through this gate. You'll have to go around. Oui, monsieur, madame, enfin. Make your way around to the doors on the other side. I'll let you in there. Putain. Le face fait deux balles que je fous dans le vent. Ouais, d'accord. What the fuck? Alors si l'animal vomit, c'est qu'il est content, donc tire pas. Lol. Mais ça va, y'a personne qui a tiré. Qui a vomi. Moi je tire. Merci. Vous voyez les enfants, pourquoi il faut jamais consommer de drogue? Non mais c'est pas de la drogue en fait. Oh putain. C'est des trucs sonores. Ok. Ok. Bâton boulonné. Oh, il est pas mort lui. Vas-y. Ils sont presque cute. C'est un doppelganger, c'est ça, un doppelganger. Ou un doppelganger. Oh, salut. Putain, j'ai failli tirer dessus, t'es conne. Ok, jump down and see if you can find your way back to the stairs. I'll go back this way. Demande une seule balle, bah faut croire, hein. On dirait bien. Comment c'est gâché? Qui gâche? Qui gâche? Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un peut aller... Merde. Voilà. Ça c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut regarder si on est proche de la fin ou pas en fait? Parce que si on est proche de la fin, je suis pour pousser, pour le terminer quoi. Mais sinon, on va s'arrêter dans 10 minutes. Ça serait peut-être mieux ça. Tu veux dire s'il reste beaucoup? Ouais, si tu peux, ouais, Thiemma. Ça serait cool. S'il reste moins d'une heure, on continue. Sinon... Putain, que 5 balles.
mon avis, c'est encore long. Ouais, c'est, je pense aussi, j'espère. Au final, c'était cool. Je suis un peu réconcilié avec le jeu parce qu'il y a des moments débiles. Et que ça devient. Le scénar commence à devenir plus intéressant, je trouve. Oh là là! Des guns là. Je crois qu'ils avaient des flingues tout à l'heure. Encore 2 heures, Calimoon. Ok, d'accord. Ok. Cool, cool, cool. Ah. Merde. En fait, je sens, ça sent quand même un petit peu la fin, en fait. C'est pour ça que je demandais. Ça sent la fin, en fait. Je sais pas pourquoi, mais... Je pensais à ça, me pense à la fin. Bon, à 2 heures, donc ça m'étonne pas trop. Plus qu'une heure. Ok, d'accord. Cool, cool. On terminera la prochaine fois, tranquille. Je sais pas trop quel jeu d'horreur on fera après. Si jamais il y en a un qui chope 66666, dis-nous. Faudra pas... Ah, pas hésiter. Oh. Bon, par là. Need de la life, là. Je vais sauvegarder, je le sens pas, là. Bon, de toute façon, là, on va aller jusqu'à la fin du niveau, là, quand même. Histoire de recommencer... frais sur un nouveau niveau. T'es à 64 220. Ah, cool. Après t'es pas obligé hein. Mais voilà, ça veut dire que tu pourras décider quel sera le prochain jeu d'horreur. Ce sera pas samedi prochain, mais samedi d'après. Ou alors je peux le préparer pour juste après. Si tu... Jesus Thomas, it took you long enough. Ça peut être ça aussi. T'es con un peu toi hein. Hiya. Elle est tranquille, tranquille, elle s'en fout là, ils sont là. You mind taking the lead through this area? Moi je veux bien, mais sous-sol, ok. Pour le prochain jeu d'horreur, moi je pour FIFA. C'est pas dans la... c'est pas un jeu d'horreur. Non. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il nous se réserve le droit de refuser? C'est refusé. Hop. Okay, 8 years ago would put the kid and the teacher at the same school in 1997. Here it is. Anderson Carl. There's a lot of Carl Andersons, but I bet this is our guy. He was enrolled or sentenced to an educational rehabilitation center for the severely troubled. St. Joseph's Secondary on Northeast 52nd and Fremont. It's been closed for 5 years, and no wonder. That's one of the worst parts of town. Christ, the cops have just been letting it go to hell for years. Yeah, what about the faculty? It doesn't list occupations, just a list of names. I'll take it back to the lab and see what I can find. It's him. He's been listening to us. It looks like we've attracted other unwanted attention. Oh là là. Ok. Fuck you what?
Le taser, je le trouve énorme. Je le trouve énorme. Il y a une liste, ouais, mais c'est pas, elle est pas exhaustive. Hein. C'est bon là? Oh. Thomas, oh. The exit. We need to make a run for it. Ok, encore, excuse-moi. Je What about our serial killer X? Je sais pas. He's got the same information we do, so that means he's also going to go to the school. Perhaps I can catch two killers with one net. I'll drive you there, then head back to HQ and work on that faculty list. Ok, ah bah ouais, mais le jeu, qu'est-ce que tu me fais là? Tu finis 4 minutes avant la fin, mais en même temps, voilà. Hein. Bah ouais, je pense. Hein. Ouais, donc la liste n'est pas exhaustive, Marc. Il y a des jeux qui sont pas dedans. Donc tu peux aussi regarder ma liste. Par exemple, il y a. Comment ça s'appelle? Il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps. Je crois que Zilto l'a fait là. Le meurtre de Rachel, machin, je sais pas quoi. Ça peut être pas mal ça. C'est quoi les pièces métalliques? Les 0 pièces métalliques sur 3 trouvées? Je sais pas. Je m'en fous de ça en fait. Mais bon. Bon. On va s'arrêter là. Mandat d'arrêt émis contre un agent du FBI. Résumé, un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'agent FBI Ethan Thomas, qui a mystérieusement disparu après que son arme de service eût été utilisée pour tuer deux agents de police. Même si son nom n'a pas encore révélé à la presse, la police prend l'affaire très au sérieux et serait prête à faire usage de la force pour arrêter le tueur de flics. Donc voilà ce qui s'est passé. Thomas, it's Malcolm. How are you doing? Is the investigation going well? It's going as well as it can be. Wait, what are you doing here? How did you know where to find me? Oh, just a coincidence. Saw you from across the street. Coincidence? I don't know what your game is here, Van Horn, but I've got a job to do, if you'll excuse me. Uh-huh. Retrouver le professeur disparu lié à Carl Anderson, alias le tortureur. Ok, et eh ben écoutez, voilà. Hein, en plus, elle est Rosa. Rosa. C'est mieux. Rosa est sauvée. Enfin, elle est pas. Elle s'est pas fait tuer au final, Rosa. Très bien, Rosa. Ok, et eh ben écoutez, on va sauvegarder là. Hop. Last. Tac. Donc, ouais, cool. Je continuerai bien, mais bon, c'est vrai que si on continue une demi-heure, c'est bien, mais une heure, je suis un peu fatigué en plus. Donc, non, on va s'arrêter là. Yes. Et bien, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Delkinou avec l'épisode numéro 2 de Condemned Criminal Origins. Merci beaucoup et à la prochaine.